La première fois que j'ai entendu parler de toi, mon cœur enflammé de joie s'est mis à adorer. Aujourd'hui je ne saurais. Alléluia.
Alléluia. Oh, alléluia. Cela par une invitation à table chez lui manger, alors ça signifie que c'est vraiment quelqu'un qui t'aime. Et je crois qu'il n'y a que des aigles ici, c'est ça que vous voyez. Donc, là nous sommes à la table du maître, et c'est le pasteur Isaac Mabiala qui a concocté le festin. Il nous a tous invités, et moi je suis vraiment dans la joie. Et pour moi, je pense que c'est la plus grande marque de soutien et d'affection que l'homme de Dieu accorde à nous autres artistes. Parce que on n'a pas trop de plateforme pour s'exprimer. Vous pouvez être un autre artiste, mais l'artiste, il y a deux choses. La première chose, c'est le public. Si vous n'avez pas de public, vous n'êtes pas un artiste. Que Dieu bénisse. Et ensuite, la deuxième chose, c'est une scène. Donc si on ne vous donne pas une scène où prester, vous ne serez pas connu. Si vous n'avez pas des gens qui vous écoutent et qui apprécient, vous ne serez jamais un artiste. Que Dieu bénisse. Pour moi, c'est la plus grande marque d'affection et c'est le plus grand soutien d'avoir mis en place cette scène d'expression et en plus inviter des personnes pour nous écouter. Donc, nous allons vraiment être très reconnaissants en nous levant et en donnant une grande acclamation. Une grande acclamation pour le nom de Dieu et pour le petit tabernacle qui est connu par le nom de Dieu. Alléluia! Vraiment, parce que l'État est Dieu béni. Je veux vous assurer. Oh,
Tu es mon seul abri.
Pas de commission, caché dans le temps.
cherchons la puissance. Nous cherchons la présence de Dieu. Mais la Bible déclare que la présence de Dieu est dans sa parole. Nous voulons voir Dieu dans le surnaturel, laissant la parole couler. Nous voulons voir Dieu dans le surnaturel, comme l'homme dit, laissez couler les flots de la parole. Les fleurs dénominationnelles sont venues étouffer la semence. Le temps est venu où nous libérons simplement et la parole coule. Alléluia! Se discute la première place du monde. Et celui qui a la plus grande énergie ou la plus grande centrale énergétique, c'est celui-là qui domine le monde. Et la Bible dit qu'ils se sont lancés dans la conquête spatiale, les Russes étaient les premiers, et après les Américains, ensuite les autres. Mais aujourd'hui, il y a une autre course qui se lance encore pour aller découvrir maintenant d'autres planètes. Et c'est Einstein, c'est pas madame qui dit que Einstein avait dans ses visions, il avait vu un endroit en dehors de la Terre. Lui avait une énergie. Amen. Et il avait déclaré à la communauté scientifique, c'est dans le compte à rebours, vous allez lire ça. Le madame dit, il a découvert ça dans ses visions, et il est descendu, il a déclaré à la communauté scientifique que j'ai vu un endroit. Si nous réussissons à atteindre cet endroit, l'énergie que nous allons puiser de là-bas sera une énergie infinie. Amen. Le madame dit, c'est la puissance de l'invisible. Amen. Donc ils sont allés dans les planètes, ils sont allés partout pour chercher une seule chose, c'est cette puissance-là. Alors que cette puissance se trouve sur la terre aujourd'hui. Amen. Et c'est ce que nous voulons chanter. Je m'en sers dans la vision. Je m'en sers dans la vision.
le monde dans toute sa gloire voulait construire un tabernacle à la foi de l'éternel qui avait. Mais la question lui fut posée, elle ne savait pas ce qu'il a dit. La question lui fut posée, elle ne savait pas ce qu'il a dit. Alléluia! Est-ce que vous voyez? L'Éternel n'habite pas dans les maisons faites de main. Dans les maisons faites de main. Voilà. Il a lui-même construit son propre tabernacle. Et là, il veut vivre, c'est dans ton âme bénie. Il a dans son cœur. Je me souviens de Daniel dans la fosse au lion.
Alléluia. Oh, 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 oh. Une île est différente, ce qui nous divise.
vivant au milieu des personnes de courir de cet amour. Je comprends que mon Seigneur, tu as toujours raison. Et je dis merci Seigneur pour le don de l'amour. La Bible nous enseigne que l'amour n'a pas parole. Elle est l'arme la plus grande dans les compagnies de Dieu. Elle nous accorde autorité sur les plans de l'ennemi. Thank you.
attractions de ce monde. Tu m'as détourné, je n'avais aucune valeur. Seigneur, tu m'as élevé, tu m'as semblé négligé. Tu m'as transformé. Alléluia! Ta parole m'a convaincu, Seigneur, je suis reconnu.
plaisir de te raconter ça en quelques secondes. Amen. Donc c'était en 2013, je crois. On était allé en journée pour un séjour évangélique là-bas. Et le pasteur Emmanuel avait prêché un sermon sur la puissance de transformation. Et à l'intérieur, il parlait du vaccin. Et à la fin du culte, il m'avait demandé de pouvoir conduire l'église dans, dans la louange. Et je t'assure que ce jour-là, je n'ai pas forcé les paroles. C'est-à-dire que c'était carrément la prédication qui était directement transformée en chanson. Oh, mais le verre, je m'approche de toi. Pour recevoir ton vaccin, Seigneur. Yeah.
gloire, il y a un prix à payer. C'est pourquoi nous avons l'espoir, nous guérissons. Tant qu'il y a une loi, elle a toujours des conséquences. Tant qu'il y aura une loi, il y a un prix à payer. C'est pourquoi nous avons des sens. Nous guérissons, nous nous louons. Pour un Seigneur, ça a été passé. Oh, Lord, come back.
sang ne pouvait pas nous donner l'accès dans la présence de Dieu. À la cause du péché de l'Éden, l'homme et Dieu furent séparés par un voile. Oh Jésus était à la voix, le voile fut déchiré. Je marche par la foi avec Jésus.
J'ai combattu le bon combat de la foi. Hey. Merci beaucoup pour l'interview. Moi, je suis très satisfait, très ravi de ces moments que nous avons passés avec les frères et sœurs chez le pasteur Isaac Mabiala qui nous a donc fait cette invitation à venir prester et communier autour de la louange parce que nous croyons aussi que la louange est une puissance qui délivre. En fait, ce sont des moments rares au niveau du Gabon. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les artistes gospel, gabonais sont pas très connus, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de manifestation. Et comme je le disais déjà sur scène, ce qui fait un artiste, ce sont les scènes. Ce qui fait un artiste, c'est le public. Et pour avoir un public, il faut avoir des scènes. Pour avoir des scènes, il faut qu'il y ait des organisateurs, des promoteurs, des gens qui
en fait, encourage les artistes à produire, à toujours aller en studio et aussi à organiser des concerts. Donc c'est un peu ça. Et je crois que si ces moments étaient vraiment multipliés, on aurait beaucoup plus de visibilité à l'extérieur. Mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'avec le temps, les choses se faisant, Dieu fera grâce que nous ayons des promoteurs et que nous ayons aussi des hommes de Dieu qui encouragent les jeunes artistes que nous sommes dans ce travail pour lequel nous sommes engagés. Donc vraiment merci encore à tous les frères qui ont répondu présents au rendez-vous. Merci au pasteur Isaac Mabiala pour la dévotion, pour l'amour, parce que c'est une marque d'affection. Il nous aime, c'est pourquoi il a bien tenu à organiser ce moment. Donc simplement, disons merci. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce concert sera diffusé sur notre canal YouTube, Rivano Gomez TV, et aussi à travers d'autres plateformes. Donc que Dieu vous bénisse et ciao, ciao. Aujourd'hui, je ne saurais comment te l'exprimer. Comment te l'expliquer, oh ton amour. Aujourd'hui je ne saurais comment te l'exprimer. Comment te l'expliquer, car la profondeur appelle la profondeur.